nous y sommes. Voici donc mon nouveau garage. Le garage, comme tu as pu le voir, il est vraiment à l'état brut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper ensemble, je vais vous partager en vidéo, toute la transformation du garage jusqu'à en faire un truc vraiment plutôt pas mal. Donc déjà, ce garage, il a deux points forts. L'électricité, juste ici, et il a aussi l'eau. Elle marche, hein. Alors, j'ai dû mettre un tuyau en dessous parce que l'ancien propriétaire, il l'avait enlevé, mais voilà, quoi. Eau, électricité dans le garage. J'ai eu une autre surprise, en plus de l'eau, électricité, il y a quelque chose d'autre dans le garage et j'étais pas au courant que c'était là quand je l'ai acheté l'appartement. Est-ce que là tout de suite t'as une idée de ce qu'il peut y avoir en dessous? Non? Bah écoute, ce que je te propose c'est que j'enlève les meubles que j'ai mis dessus et je vais te montrer. Ça, très pratique, faut surtout pas le perdre. Ça non plus. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessous? Une grosse planche comme ça. Une trappe à vidange, et ça c'est pareil, tu vois, j'étais pas au courant quand j'ai acheté l'appartement. Forcément quand j'ai visité, il y avait une grosse voiture par dessus, et donc voilà, donc c'est moi qui ai installé tout le système avec mon pote, hein. Donc, tu vois, on a fait une trappe, c'est solide, on a mis des poutres en travers pour pouvoir passer les motos sans problème. Donc cette fosse à vidange, c'était une grosse surprise quand j'ai eu le garage. Quand j'ai visité l'appartement, le garage au début il était complètement plein par l'ancien propriétaire, il avait toutes ses affaires dedans. La seule fois où je l'ai visité, il avait une voiture garée en plein milieu, il y avait tellement d'affaires que je me rendais même pas compte de la superficie du garage. Là, je le vois, il est immense, hein, j'ai 30 mètres carrés de garage, et quand je suis venu visiter l'appartement juste avant de signer, bah, j'ai vu le trou. Donc c'est un plus, mais pour moi qui utilise mon garage pour les motos, c'est un petit peu chiant, donc heureusement j'ai réussi à le boucher. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de nettoyer le sol, parce que le sol, c'est le truc qui est en moins bon état dans ce garage. Il est vraiment dégueulasse, il est plein de poussière, donc on va essayer de le nettoyer. Donc j'ai déjà passé l'aspirateur, le balai et tout, mais à chaque fois la poussière ça revient. Et ensuite on va décharger tout le camion parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'affaires à mettre. Avoir une idée de la gueule du sol, on est vraiment dans un sale état. C'est vraiment le truc en état merdique. Alors pour savoir que ça c'est moi qui l'ai fait le béton là, il y avait des trous. Donc j'ai déjà fait des dalles de béton, enfin des recouvrements de trous, il y avait des gros trous. Pareil, il y en avait un sous la fraiseur. Là tu vois bien qu'il y a eu des bétons à ajouter, hein, c'est moi qui l'ai fait. Jamais fait ça de ma vie, c'est une première et franchement je suis assez content, ça tient plutôt pas mal. Je peux marcher dessus sans problème. Donc c'est un très bon point d'avoir réussi à faire du béton, même si c'est pas très compliqué. Voilà quand même tout ce qu'on a, hein. Alors qu'hier j'ai eu 15 fois des pelles comme ça. Bon alors déjà je pense que le mieux c'est de vous expliquer comment je vois l'organisation du garage. Ici je vois les deux motos garées comme elles le sont actuellement. Après il y aura d'autres motos mais ça sera plus tard. D'autres motos c'est celle d'Alexia. Hein. Et ensuite au fond c'est là où forcément ça va être l'atelier en gros. Donc là on a déjà l'évier qui était là qui ne bouge pas. Moi j'ai juste refait un contour parce qu'il tenait sur des... Il tenait sur ces tiges en métal. Voilà. Je l'ai juste posé comme ça à l'arrache. Il n'y avait même pas de tuyau de raccordement aux eaux usées. C'était vraiment nawak. Il y avait juste là l'établi et il est super solide alors qu'on dirait pas du tout. Mais il est carrément mis dans le mur direct. Donc il bouge vraiment pas du tout l'établi. Donc je vais le laisser. Et là la planche c'est moi qui l'ai rajoutée. Elle tient. Là c'est une petite poubelle donc elle n'est pas fixée. Il va falloir que je la fixe. Donc voilà l'idée c'est ici d'avoir le coin atelier. Avec le banc moto qui, enfin le pont élévateur qui sera juste ici en long, parce que oui j'ai commandé un pont, il n'est pas encore arrivé. Bon du coup pour ce qui était de cette planche, je l'ai fixée avec des vis faites directement dans le bois, j'ai mis de la mousse en dessous pour amortir. Comme ça surtout ça fait c'est au niveau, ça tient nickel. Et là je ferai plus tard sûrement je mettrai des charnières dans le béton. Mais en attendant, tout ce que j'ai fait en fait c'est visser les tasseaux, enfin des petits bouts de bois ici, et en fait ça repose sur ce truc sur l'étagère. Et ça tient nickel, de toute façon c'est pas fait pour mettre un étau ou quoi, donc ce sera juste pour poser, et ça suffit largement, ça ne bouge absolument pas. Donc du coup j'ai mis le haut de la servante ici, donc nickel, la servante, il faut la ranger, là il y a des années de... il n'y a rien dedans surtout, hein, mais rien n'est rangé, donc je vais ranger des outils là sur le mur, je vais mettre mes vis, mes dessins, tout ce qu'il faut nickel, dans la servante là, dans la servante ici, et après je vais devoir tout réorganiser. Du coup ce que je suis en train de faire c'est que j'ai tout vidé et en fait tu vois j'ai tout étalé, tous mes outils, et il n'y a pas tout, hein, mais je suis en train d'étaler tous les outils, donc là-dedans il n'y a que des douilles. Et en fait là je me rends compte que tu vois avant dans l'ancien garage qui était un box, quand j'essayais de trouver un outil je le trouvais jamais, mais en fait j'ai de tout, tu vois, genre je trouvais jamais de tournevis,
Il n'y a rien là, hein. Là il n'y a rien, franchement j'en ai encore beaucoup. Donc voilà, j'étale tout, comme ça je sais vraiment tout ce que j'ai, et vu que j'ai tout en double, voire en triple, je vais mettre là, chaque pièce en un exemplaire ici, et ensuite là je suis en train de vider la servante, comme ça je vais mettre le deuxième exemplaire ici. Comme ça quand tu as besoin de deux clés de 15, j'en aurai une là, une là. Donc voilà, j'organise tout bien, mais ça prend du temps, mais au moins ça va être bien fait. Après, ce qu'il faudra faire, c'est moi, dès que je finirai de travailler sur la moto, faut tout ranger à sa place, sinon ça devient le bordel comme c'est là, et il y en a de partout, et c'est franchement chiant, quoi. Ouais, ouais, ça y est, il y a tout sur le plan de travail, donc là, maintenant, c'est de la patience, et il faut de l'envie. Bon, l'envie, je l'ai, hein, heureusement, mais tu vois quand même tout ce qu'il y a, là, tu vois, tout ça. Là, tous les clés à l'aile, ça, j'en ai 50 des trucs comme ça, je me dis mais pourquoi les mètres, regarde, j'ai autant de mètres, j'ai rien à mesurer. Bon là par contre ça il m'en faudrait, j'en ai presque pas, des stylos, la dernière fois que j'en cherchais j'en ai 50, tournevis, et il y en a encore, et je sais pas vous, mais il y a encore une boîte à outils ou deux que j'ai pas ouverte, hein. Là les clés, tout ça, donc je vais en mettre au mur, voilà, bref, il y a de tout de partout, il y a des outils, je sais même pas à quoi ça sert. Bon les bikers, c'est terminé pour aujourd'hui, là il est plus de 20h. Donc voilà où j'en suis. J'ai mis quand même une bonne partie des outils qui étaient là au mur. Donc bon, j'ai essayé de faire ça à peu près bien. Malheureusement, j'ai une clé de toutes les marques qui existent en fait. Donc forcément, ça ne fait pas la même taille. Mais bon, ce qui compte, c'est d'avoir les outils en place. Là-dedans, j'ai rangé tout ce qui est gros outils, gros cliquets. Là, les grosses pinces. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est tournevis. À gauche, les plats. À droite, les cruciformes, là les clés à pipe avec les cliquets de petite taille, ici toutes les clés en plus, hein, parce que forcément bah, comme je t'ai dit j'en avais 150 000, là les douilles qui sont pas rangées, je les ai pas touchées, toutes les clés à laine qui sont à peu près rangées comme on peut, ici les petits tournevis précis, et après bah, y a encore toutes les douilles ici, toutes les douilles là dedans. Là j'ai mis encore des clés, donc des clés j'en ai trop, j'ai tout en triple, hein, facilement. Enfin voilà, en dessous j'ai mis tout ce qui est liquide, là les gros outils, perceuse, scie électrique, la petite boîte à ultrasons. Bref, on a quand même pas mal avancé aujourd'hui et franchement bah, je suis assez content du résultat. Prochaine vidéo, normalement ça va être l'arrivée du pont élévateur, donc ça j'ai franchement hâte d'y être parce que bah, ça va me permettre de pouvoir enfin faire une vidange sur la phaser. Là je pourrais la faire mais vu le sol, si je me mets par terre je vais être tout crasseux, ça va me saouler. Donc les bikers, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Bref, toutes les choses habituelles. Et abonne-toi. Ouais, en passant, ouais, abonne-toi. Et pour cette fin de vidéo, on va finir en éteignant la lumière. À la prochaine. La bise. On n'y va pas trop. Là, on y va mieux avec la lumière quand même. Hein.